Et nous sommes de retour, on va continuer à essayer de chercher K.O. et le détruire évidemment parce qu'on est, extrêmement énervé par rapport à ça. Donc la dernière fois on avait combattu, donc c'était Garland, c'est Garland ou Garland? À chaque fois j'ai un doute sur ma mémoire, j'ai une très mauvaise mémoire. Et après, bah, elle s'est transformée en fille plutôt sympa, voilà. Ah, c'est bizarre hein, quand même, les origines de Final Fantasy, hein, c'est un peu étrange. Hein. Donc on doit retourner en ville et discuter sur ce qu'on a trouvé, j'imagine. Donc on va faire ça, c'est parti. Cornelia, magnifique château, je crois qu'on a déjà lu ça. En outre, l'existence des gardes de la lumière mentionnée à la prophétie de Cap semble également procurer le... Oui, on l'a déjà vu, ok, ça marche. C'est bien que les temps de chargement soient super courts, ça c'est cool. Wow. So this is what the city's like. I'd forgotten. Looks like you're as forgetful as the rest of us. Am I? I guess so. Néon. We're forgetting things all the time. I guess it's the price we have to pay for this strength. Attachments to this world will just make it harder to do our duty. It's a mercy to forget. A mercy, huh? Who's mercy? Someone or something must have decided to make it this way. Who was it? It's me. I forgot. Qu'est-ce qu'ils ont tous sur le thème de... Ils oublient tout. C'est quoi, c'est FF8 avec les GeForce là? Tout le monde oublie? Qu'est-ce qui se passe? Hey Neon, when did you first come here? T'as oublié? 10 years ago? Although it seems just like yesterday. Oh. Du coup, la reine. Non, pas la reine, la fille, Sarah, c'est ça, Sarah, je crois, c'est celle-là, qui nous a demandé de chercher le chevalier. Du coup, elle a jamais su qui c'était vraiment. And that about covers it. So the throne was empty. Or perhaps you lost heart and fled the shrine. Quoi? Ouais, casse la gueule, vas-y. Putain, le mec vénère. Neon. Do you also bear a crystal? I think you've seen it before. Very good. Four warriors, four crystals. Still black as pitch though. Il fait encore plus vénère que d'habitude avec la capuche. J'adore. As is your right, I will reveal the prophecy of Lucan in its entirety. There's more. When darkness veils the world, four warriors of light shall come. If they cannot gather the shards of light, the darkness will consume all. This land is home to four crystals. Fire, wind, water, and earth. The darkness corrupting them causes fires to rage, winds to die, seas to languish, and earth to decay. Ils ont un aura différent, les couleurs. The people are lost, and scarce little light remains. Sûrement par rapport à leurs éléments, j'imagine. Rouge, fleur, right. So you want us to do something about the darkness clouding the crystals? Indeed. Will you accept? What about chaos? Rekindle the light of the crystals. Ah, il t'a fait énorme. And you shall win the right to claim you've slain chaos. Will that not sate your pride? What are you saying? That chaos doesn't exist? Chaos is only a tale, passed down from our forebears to give the people hope. Hope that by slaying the beast in his lair, peace will be restored. J'en connais qui va se prendre une baffe. You will not find him.
However, the seeds of a new hope have been planted here. Now, a hope we can see. Yes, a hope we can believe in. Jack, Ash, Jed, Neon, deliver this world from the clutches of darkness. Well then, if you'll come with me. Il est super étrange comme Final Fantasy, je trouve ça super drôle. Je trouve ça super marrant le... Comment l'histoire évolue, tout ça. Ouh, c'est super sombre. Il y a les ténèbres ici. C'est le chaos, on va tout détruire. Oh, il y a un cristal, j'avais pas vu le cristal. Joli. Your first destination should be Pravaka, which can be reached after crossing into the northern continent. Son, the town's mayor, should have information on the crystal's whereabouts. Ok, donc on va aller chercher des informations sur le... sur les cristaux. Go forth, warriors of light. You are this realm's hope. J'enchaîne la, cette vidéo après la première, donc j'ai pas encore lu les commentaires. On m'a sûrement tout expliqué déjà de l'histoire. J'espère pas, je veux pas de spoilers, c'est marrant. Et regarde. Go with the crystal's blessing. On a récupéré ton Thanks. Chevalier. By the way, princess, we didn't see anyone who matched your description of Garland at the Chaos Quoi? Shrine. I see. But that means we might find your knight somewhere else. Sorry, that's all we have. I do hope he's out there somewhere. I don't mean to pry, but... What was your relationship with Garland? Ah, I get it. Ah, donc en fait, on est OK, tout le monde est d'accord dans le fait que bah, Garland c'est pas Néon quoi. OK, ça marche. C'était quoi Proto Chaos? Donc c'est juste Néon en fait qui s'est donné aux ténèbres, on va dire, au chaos, dans la forme générale en fait du chaos, et c'est devenu proto-chaos, quoi. C'est tout. Donc c'était pas Garland, donc, même s'il lui ressemble beaucoup. Go with the crystal's blessing. Ok, bon bah on y va. Let's go. On va casser la gueule au monstre. Ça me change un peu aussi le gameplay, ça fait plusieurs mois que je fais que des jeux de stratégie. Hey there, Jack. You just got back from the shrine, right? The minister paid your room for the night. So why not get some rest? I was hoping you'd say that. Il a rien dit, il a juste grogné. Mais OK. Aïe 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 aïe. Ah. Il doit nous cacher des choses, lui, encore. And so their journey begins. And so their quest began. Ok, c'est parti. Alors... Oui, ça c'est... Ok. C'était... La mission, c'est d'aller dans la ville et parler, quoi. Alors, mission principale, le matin du départ, maintenant dispo. Ça marche. On a rien d'autre. Ok, ça marche. Attends. Hop. Attends une seconde. Paramètre de combat. Donc, nous, on est équipés comme ça pour le moment. Ok, après on a notre poteau H. Et après on a notre copine épéiste.
Techniquement, si on le prend pas dans l'équipe, on n'a pas vraiment besoin de lui laisser l'équipement, on est d'accord. Par contre, je veux voir si on peut pas changer ça, en fait. Vas-y, si on fait... Ah, c'est niveau 10, quand même. Ouais, non. Je pensais lui mettre à elle, en fait. Mais bon, elle va rester comme ça. Avec ses bandages, là. Tu vois ? Hein ? C'est... Ok. Ah oui, d'accord, les bandages, ils viennent de la robe. Oh, ok, je viens de comprendre. D'accord, ça marche. Ça marche. C'était des tests, hein. C'est pas comme si je voulais la mettre nue, hein. C'est juste pour savoir comment, hein. Voilà. Curiosité. Verrouillage de cible, ça marche, je connais. Être ciblé par un ennemi. L'icône de verrouillage devient rouge lorsqu'un ennemi vous cible. Oh! L'icône d'ennemi sera affichée si... Oh, ok, ça je savais pas ça. Il y a tellement de choses à voir dans les combats. And so their quest began. As the four warriors of light, they felt overwhelmed by the great task destiny had placed before them. They did not even know the true significance of the four crystals they held in their hands. The crystals that once, long ago, held a light that shone so brilliantly. The time for their journey had come. The time to cast off the veil of darkness and bring the world once more into light. Wow. Ils prennent la pause pour la photo, c'est ça? Je sens que ça va être fun. Enchaînement d'action. Ok. Ok, ça marche. Mais ouais, je me suis ramolli. Hein. Je me suis grave ramolli. Alors, on est arrivé à Pravoka. Ah, on est directement en ville. Ok, il n'y a pas de, de combat à faire. Oh. Pourquoi vous avez peur? C'est parce que j'ai une capuche, c'est ça? Huh? What's up with them? What? Tu vas te prendre une baffe. You're from the castle, aren't you? That's for my dad. Vas-y, casse-lui la gueule, casse-lui la gueule. Ah oh, putain, Néon là, casse-toi, je vais lui casser la gueule. What happened to him? King commanded him to set sail for the crystals. And he never came back. You're blaming the wrong people, kid. The king might have given your father the orders, but it was chaos that did the deed. Yeah, but... Hey, we're here to make sure that never happens again. For all the kids like you who have lost someone. For all of Cornelia. Ouais, sauf qu'il n'existe pas. Jack. Where's Mayor Sohn? He's dead too. Captain Bickey looks after us now. Captain. Yeah, he lives in that cave. Il a bien fait de courir, le gosse. On allait lui casser la gueule. Tout le monde est KO. Ok. Mission accomplie. Ouh, on a plein de missions, j'ai vu. Alors, début de la quête, maintenant disponible. C'est mission secondaire souvenir. Céruléen, allié sacrifié. Maintenant disponible. Temple du chaos. Okay. Alors, des missions variées sont disponibles à partir de la map monde. Accomplissez-les pour améliorer votre équipement, débloquer des classes et devenir plus fort. Faites de nouveau briller la lumière de la paix sur Cornelia. On se voit un peu. Des pirates, temple du chaos. C'est quoi le 1 à droite là? C'est les niveaux? Non, c'est pas les niveaux. Fragment d'anima 2. Niveau de mission 5. Niveau de l'équipement 8.
Ok, je veux bien retourner, moi. Ses compagnons vous informent, le roi de Cornelix ont vaincu tous les monstres dignes de ce nom. Demandeur. C'est le même descriptif qu'avant. Hein. Donc ouais, en fait, on peut y retourner juste pour le kiff, c'est ça? Ou il y a autre chose dedans? Ils disent que c'est nouveau. Détail des récompenses. Butin principal. On peut... Je dis pas non, en fait, pour... Ça va prendre du temps, hein, ce jeu, je le préviens. Ça va prendre beaucoup de temps. On va tout faire et tout. Parce que honnêtement, j'aime beaucoup le gameplay. Et j'aime beaucoup le jeu. Ça me fait marrer, l'histoire. J'adore K.O. Let's loot this place clean. Ouais. Ouais, on va tout défoncer. Et... Je pense qu'on va... On va monter de niveau et tout. Quoi. Genre farmer et tout. Alors fais voir un peu comment tu combats, toi. Attends. H, Néon. Take it from here, Neon. I'll get them off your back. Vas-y. Ah, t'es vraiment un tank. Waouh, ok. Ah, je crois que t'es vraiment un tank, en fait. Time for a change. Ash, show me what you can do. You got it. Yeah, pas mal. Bourrinage. Take it from here, Neon. Will do. Bah, fais quelque chose, Néon, qu'on regarde ce que tu peux faire, quoi. Bon, sur les escaliers, c'est pas trop ça. Ok, ok. Et on va éviter les escaliers. Let's take it down. Damn, where does all that darkness A monster just popped out of that one! Guess the darkness wasn't bad enough. Ah, mais j'ai utilisé ma... Ah, 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 la vache, oh! Show me what you can do! C'est quoi qui m'avait donné beaucoup de PM max la dernière fois? C'était... C'était les bombos, je crois. On va aller vite parce que j'ai pas l'impression que c'est beaucoup changé en fait. Ah, c'est genre c'est exactement la même chose. C'est pas plus difficile ou quoi que ce soit. Ok, cool. On pourra récupérer de l'équipement pour notre copine à la limite. There you are. Jack, let's go. Let's see how much fire that thing can eat. Get back. It's gonna blow. Here it comes. Boring. Victory was guaranteed. A warm welcome. Stay out of the flames, unless you want to get cooked. Let's find another way around. Ready? Il y a beaucoup d'informations à l'écran à regarder, genre Néon et H et tout ça, de savoir s'ils sont prêts pour faire des habilités. Je vais faire du feu. Better tread carefully. I'll take that. Oh, on a du verre par terre. Ok, cool. Now then. Ready to try again? Quand on a appris qu'on commence à bien prendre en main le fait qu'on peut absorber des habilités et tout ça, enfin des... Oui, oui, des habilités ennemies, quoi, et tout ça, c'est vraiment cool. Je voudrais bien qu'on... Il faudrait que je teste le match. Enfin,
Honnêtement, non, non, ça m'intéresse pas très bien pour le moment, mage. Je préférerais incantateur. On a l'incantateur, c'est quoi ça? Oh, terrasser une multitude d'ennemis. Les sceptres disposent d'une longue portée que vous pouvez plus ou moins augmenter selon la durée pendant laquelle vous maintenez. Ok. Sceptre de force. Ah, du coup, on peut être épéiste. Yeah. Ok, ça, ça m'intéresse. Les épées excellent, les attaques comme en défense. Les épées leur permettent de faire face à toutes sortes de situations de façon équilibrée en tirant parti des attaques dérivées et de combos. Ils bénéficient d'une garde plus robuste lorsqu'ils subissent aussi, lorsqu'ils s'équipent aussi d'un bouclier. Puissance et RTP, ils peuvent utiliser la technique interception permettant de contre-attaquer automatiquement lorsqu'un ennemi vous attaque. Ok. Ok, ok. Je veux bien tester ça. Je vais voir. Ok, cool. All right. Fais voir un peu. Ok, on va tester. Le crochet d'assaut. Oh. That's how it's done. What the f- Now watch your step. Okay. Take it from here, Neon. We'll do. Now watch and learn a couple things. Another one of those things. Je comprends rien à ce qui se passe. Je comprends rien à ce que je viens de faire. C'est du n'importe quoi. There's one. Come on, follow me. No escape. C'est classe. Take it from here, Neon. We'll do. Now watch and learn a couple things. Time for a change. Okay, okay, okay. Nothing's in our way now. Nice going, Jack. That's that. Learned a couple things from that one. Eh ben. This is the one. C'est pas mal la chaîne. C'est sympathique. Take it from here, Neon. We'll do. Non, t'es sérieux? Show me what you can do. You got it. Oh la vache, ma vie. Sans déconner, il m'a fait 1000 épines, c'est ça? Ok. Merde. Ah oh là là, la merde. Let's see how much fire that thing can eat. That was quick. Keep it up, everyone. Poignée niveau 3. I think we're safe. On va passer par là. Take it from here, Neon. Your time. I'll get the monster back. Boom. Ash, show me what you can do. Now watch and learn a couple things. Eh ben. Carnage. Saloperie de Pampa. Take it from here, Neon. Warm welcome. Saloperie. Ready? Il va me faire encore ça en attaque de merde. Oh la vache. Ouais, écrase-le.
On peut les farmer, les pampas. C'est à moi, ça. Cool. J'ai récupéré tous mes MP max et tout. Je vais voir s'il revient, le pampa. Non, il revient. Ok, ça marche. Wonder what's in there. Ah oui, faire de la magie. On peut passer genre directement. Ouais, ça fait un peu mal, mais ça va. Better tread carefully. There you go. Will do. Ash, show me what you can do. You got it. Yeah, let's go. On a 7... It'll take more than that to stop us. Cette Good soin. Job. Now on to the next. Ok, on va aller vite, hein. On tra jusqu'au boss et tout ça. Je me reposerai juste avant le boss pour voir les objets qu'on a récupérés. So much darkness. We know what to do. Your time's up. Now I feel a lot better. Nice going, Jack. Qu'est-ce qu'on prend en deuxième vraiment? Oh non! Putain, quel con. Qu'est-ce qu'on prend en deuxième métier? Classe. Take it from here, Neon. I'll get on your back. Nice try. Go, avance, cours. Toing, 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 toing. Treasure, hein? Oh. Ok, très bien. Ah. On a le bombo à faire tomber. Ah, c'est peut-être un peu trop tard. Waouh, ok. C'est con ce que je viens de faire. Oh mon dieu de mon dieu. Ma vie est un peu... Je régène pas quand je tape, ça c'est un peu bête pour le moment. J'aime beaucoup sa voix anglaise, elle me rappelle quelqu'un mais je sais pas qui. Ow, ow. We need to patch ourselves up. All right. Ok, pas mal, pas mal, pas mal. Là-haut. Qu'est-ce qu'on pourrait le changer? On reprend le lancier, peut-être? C'est pas mal, lancier. Enfin, halbardier, ou je sais pas quoi. J'avais envie de tester le tireur, l'artilleur. Ok, cool. On va tester un peu ça. C'est pas très très haut en niveau, mais. Wow, I didn't think we'd get through this way. Remember this for later. Ah oui, quand je fais ça, oui, je viens de remarquer en fait. Quand je fais comme ça, pour c'est tout le monde qui change. Genre, elle aussi, elle vient de changer d'équipement. Alors, on peut vérifier juste là, si je dis pas de conneries. Regarde. On va faire genre ça. Et on va faire sur lui. Sur Jed. Hop, ouais. Ok, ça marche. Cool. See what's inside, Jack. Take it from here, Neon. Will do.
Boing, boing. Le ricochet, c'est juste pour contrer quand ils font des attaques spéciales, hein, je crois. Ah oui, là je l'ai contré. Bah les mecs, qu'est-ce que vous faites? Vous me regardez jouer, c'est ça? Ok. Alors après j'ai 1, 2 et 3. Quoi 1, 2 et 3? Ça c'est les différentes attaques en fait. On a l'attaque, on a le... Ça c'est l'attaque. Ça c'est pour contrer, à un moment je l'ai fait. Est-ce qu'on peut avoir d'autres... Ok, régalia niveau 5, ça c'est cool. Est-ce qu'on peut... Combo, je vais voir un peu. Ricochet... Ok, on a que ricochet de toute façon. Oh! Balle de choc. Interrompt l'action ennemi qui s'apprête à utiliser une attaque imparable. Ah oui, non, mais ça c'est... Ça c'est quand je fais RT sans... seul en fait, c'est ça? Ah non, 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 attendez. Je vais voir balle de choc. Ah! Up ahead. I hate bats. C'est marrant ça, j'aime bien moi. Ash, show me what you can do. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis pris une baffe. We win. All right. Let's keep going. Hey, j'aime bien le tir moi. J'aime bien le tir. On est un peu bloqué. J'ai l'impression d'être un peu bloqué quand je vise et quand je tire. Genre là, là. Il faudrait. Faut que je m'habitue un peu, mais j'aime beaucoup en fait. J'ai l'impression d'être un peu lent dans les mouvements. Là, il y a un coffre normalement. Let's see what's inside. Allez, on y va. There's one. Take it from here, Neon. Ah. Work like a chuck. I got it. Kill the fiends and these gross get weaker. Okay, cool. Ash, show me what you can do. You got it. One down, two to go. Pas mal. Ah, c'est marrant, j'aime bien moi. Hop là. J'aime bien le fait qu'on puisse récupérer en fait autant de d'MP en tirant. Alors après oui, on est super... on est bloqué sur place quoi, c'est ça le gros danger en fait de la classe, mais... Ah j'aime, je préfère ça à la limite que le combat à l'épée quoi. Masque du grand marcheur. Finally a break. This will take us straight to the tower. Ah tiens, vous pouvez aller là, non. Look, cubes. Let's relax for a bit. Cool. On n'a pas besoin encore d'attendre là. Up ahead. Take it from here, Neon. Non, attends, faut que je m'habitue de faire ça en fait. Ah
Avance. Ah. Parce qu'à la limite, le fait de pouvoir récupérer des MP max plus facilement, je pourrais peut-être spammer illumination plus facilement et souvent. Par contre, je crois que ça m'enlève des MP max quand je fais illumination, non? Faut que je regarde. Il y a plein de petits détails comme ça, il faut que j'apprenne. Mais ouais, le tir, j'aime beaucoup. Après, je pense pas que ce sera tout le temps utile, mais... Voilà, faut que je reste... Voilà. Faut que je reste... Ils sont... Il est mort, lui ? Non, il est pas mort. Ow ! Ow ! J'ai esquivé ou pas? Non. Feel the pain. Ah oui, tiens, est-ce que je peux bloquer? Parce que je bloque plus honnêtement. Est-ce que je peux... Ouais, je peux bloquer instantanément. Donc je peux techniquement... Et même faire ça et tout ça. Ouais, ouais, non, il faut que je réagisse mieux, en fait. Faut juste que je sois un peu plus réactif. This is so thick I can taste it. This is it, no doubt. Ok, on va voir toutes les... non, il était de l'autre côté. On va voir les améliorations qu'on a pour cette classe. Qu'est-ce que c'est sombre? Ça me rend fou. Ok. Ouf. Alors, fais voir. Donc là, on a quoi? Tir magique. On a des... type magique, pardon. Oh. On fait des dégâts élémentaires d'eau en lançant une grenade. Oh, on a des grenades. Waouh, mais ça tue. C'est trop bien. Tu veux voir? Allez, les dégâts reçus pendant une attaque. Ah, ça, c'est bien, ça, passif. Moins 2.6, ok. On a combien de points? 2. Ah. J'ai bien envie de tester la grenade. Ah, ça m'a coûté 2. Ah, j'ai pas vu. Oh. Je vais voir. Alors, alors, on peut le mettre là. Bombe. Après, on a ricochet, balle de choc, combo, place. Je vais voir un peu. Ça tue. Cocher. Ok, en fait faut taper. Grenade. Ok. Ça marche, ça marche, ça marche. Après, j'ai plein de points partout. Épée lourde, dérivée d'attaque chargée, permettant de donner la résistance. Attribuer commande, obtenir à partir de paramètres. Ok, là, on a une autre commande pour le gladiateur. Ah, quoique, on a débloqué une commande de gladiateur, mais on peut la mettre sur... Sur tout, en fait. Ok, ok, ok. Donc il faut tout augmenter, quoi. Voilà. Comment on peut... lecture. Ok, ça les propulse en l'air, ça marche. Ok. Ça marche.
Ok, encore plus de points. Réduit le coût de rupture d'une garde réussie. Ok. La consommation impériale, l'utilisation active des lentes tournoyants. Dérivé d'attaque. Ouais, mais ça, c'est des combos à l'épée. Vu que j'ai pas trop envie de. Ah, oh, mais on a plein de points partout. Oh la vache. Ouais, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. C'est pas bien. C'est pas bien. Il y a vraiment trop de choses. Ce qu'on peut faire, c'est donner des anima aux autres. Ah oui, c'est vrai que j'avais un peu oublié ce système. Comment on fait déjà? Genre elle, par exemple. Oui, t'es déjà au max. Utilisation d'anima. Je vais voir une. Ok, d'accord, c'est comme ça que ça fonctionne alors. Ça marche, désolé. Je mets du temps parce que je lis tout et tout ça pour pas louper d'habilité. Qu'est-ce que je vais faire? Donc maintenant j'ai ça, j'ai le renforcement. Ok, ça dure longtemps. Ouais, ça va. Ça fait quoi déjà le renforcement? J'ai complètement zappé. Permet temporairement d'augmenter la résistance au chancellement et de réduire le temps de chargement des attaques chargées. Ok, ça c'est cool. Ok, ça marche. C'est parti. Bah, du coup, elle va se combattre elle-même. J'arrive pas à jouer. Tiens, des grenades. Non. Bon, ok, ça va, on va. Non. On va pas me défoncer quand même, je suis très puissant. Ah, un truc qu'on pourrait faire, c'est changer de classe pour récupérer plus de MP en fait. Et merde. So this is what darkness does to humans. Keep it alive. Answers. This is the one. I've seen that attack before. Yeah. Jack. Maybe. But we know who does it better. That ice is putting a damper on our fun, Jack. Think you can help us out? Learn a couple things. Oh wow. Oh, better stay sharp, guys. J'aurais dû le faire à côté. You fools! Now we're talking. Ok, ça vient, ça vient. Pampan. Pampan. Ça vient, les façons différentes de jouer, c'est cool. J'aime bien. Bon, j'aime bien le tir, honnêtement. Je préfère le tir. Ok, deux fragments d'anima. Ça marche. Ok, on va faire ça. Point fatal. Aubert, strier, des gantelets, ok. Repère des pirates, c'est parti.
Rendu à Pravoka, Jack et ses alliés découvrent qu'il y règne une atmosphère étrange où des inconnus ne sont pas les bienvenus. Les habitants de la ville cherchent ostensiblement à les éviter, mais un garçon les approche et les blâme pour la mort de son père. Ce dernier aurait perdu la vie après avoir suivi l'ordre du roi de partir à la recherche des cristaux. Jack et ses alliés lui expliquent que Chaos est le vrai coupable et qu'ils vengeront la mort de son père en le vainquant. Le garçon leur apprend alors que le capitaine Bike dirige la ville depuis le décès du maire Son. Il s'aventure ainsi dans la grotte du repère des pirates pour lui soutirer des renseignements. Faudra que j'écoute ce qu'ils disent quand ils parlent des gens. Repère des pirates pour créer une distorsion dans cette région. Quoi ? Une distorsion dans cette région qui présente de nombreuses similitudes. Au 14e espace-temps, ils ont visiblement décidé d'extraire des éléments de ce dernier, tels que des monstres marins, et de modifier le terrain en se basant sur son folklore. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je ne l'avais pas envisagé lors de mes premières observations, mais si les pirates se sont installés ici alors qu'ils utilisaient initialement des villes portuaires comme base, c'est peut-être parce qu'ils ont subi l'influence de l'espace-temps dont cette région est inspirée. Pourquoi? Time for a change. Okay. We've been walking for a while. Is this the cave the kid was talking about? I don't see any other caves. Let's head in. Ah, tout le monde parle en fait, même s'ils sont pas dans le groupe, ça marche. On peut casser ça? Ah non, pas des araignées. Ah, je me casse moi. Ouais, vas-y, débrouillez-vous. Moi, je m'approche pas. Hein. Dégueulasse ces trucs. Ouais, casse la gueule à tout le monde. Je tire partout. Follow me. Out of my sight. Bam. Lights out. Putain de bourrin quoi, ça tue. Stay away from those webs. Take it from here, Neon. I'll get them off your back. Cadeau. Show me what you can do. Now watch the load of couple things. Out of my sight. Ah, j'allais le dire. J'allais le dire. Est-ce que eux, ils peuvent faire des finishers et tout ça? Donc apparemment, oui. Il faut peut-être les booster, en fait, je pense. Ok, il y en a là. Something's off here. The air feels wrong. Ouais, Chaos. It's hard to breathe. Weird. It feels like I've been here before. I've had that feeling before. And it's best not to think about it. Oh yeah? Yeah. Right now we need to focus on what's ahead. Forget about it. I can get behind that. Bicke! Captain Bicke! 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 Captain Bicke! Où est-ce qu'on va? C'est joli, hein? Plein de couleurs partout. Ah. Oh putain de... Found your weakness. Bien. Oh, whoa, whoa. We're in for it now. We've had worse than this. Feel
That's all of them. If we can breathe, we can fight again. Wow. Par contre, c'est quand même vachement sombre. Hein. Je sais pas pourquoi c'est aussi sombre que ça. Attends. Luminosité. Non, elle a pas bougé. Je sais pas, je trouve. Ouais, c'est un peu mieux là quand même. C'est parce qu'il y a les ténèbres, il y a le chaos. Tout est chaos. Found some cubes. Should we take a breather? Ouais, on peut. On peut voir. Les attaques, ça c'est quoi? Augmente les dégâts perforants infligés, augmente les affinités. On peut faire ça. Ouais, ça c'est point de classe requis 2. Ok, là il en faut qu'un seul. Ça marche. Hop. Those the pirates? Be careful. They aren't known for their manners. Just treat them like monsters. If they bear their fangs, knock them out. Come on. Jack, let's go. Take it from here, Leon. You now. We'll do. Ouais, casse-leur la gueule, massacre tout le monde. Oh, joli. Warm welcome. Whoa. Ow! Oh, yeah. Work like a chump. Not an example I want to follow. Hey, some deck. Oh my god! Chunk! Chunk! Oh, t'es pas. Ok, il devait pas manquer grand chose, j'ai cru que je l'avais stunné là pour le one shot. Faut qu'on monte, il y a des trucs hein. Effet dissipé, renforcement. Ah ok. Ah il vous indique quand le... pourquoi y'a du feu? C'est la torche qui a mis du feu? J'entends. Ouais. Pion, piou, 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 piou. Je récupère des MP. Hope it's good. Have a look at this. I'll take that. C'est fun. Oh mon dieu, ça commence à être un labyrinthe là. Ouh. Check it out, Jack. Ok. Ok, on est revenu ici, ça marche. La police sombre, ouais. On récupère énormément de matériel, donc je vais pas m'arrêter toutes les 3 secondes, hein, parce que faut peut-être pas exagérer. Oh la vache. Et go, go, go. Ah, tu l'as déjà défoncé. Il y a un tomberie. Ouais, bonne chance les mecs. Moi je m'approche pas de son couteau. Hein. Oh mon dieu. Oh, on a défoncé un tomberie. Ouh. Je crois qu'il il avait les attaques, genre c'est... Je sais plus comment il dit ça. Grudge. La rancœur, l'attaque de rancœur là, genre je me rappelais dans certains FF. Plus on en tuait et après plus leurs dégâts augmentaient. C'était assez abusé les tombeurs. Ça a toujours été abusé en fait dans les FF je crois. Bon bien sûr sauf contre Jack, un Jack est tellement vénère que bon, casse la gueule même aux tombeurs, y a pas de problème. Alors attends, est-ce que je suis en train de me perdre moi?
par là. Ouais, comme ça. Ah, il y a plein de... Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est vous qui cassez les choses. Oh là là. Il y a les tonneaux qui explosent. Très bien. Je suis surpris qu'il les coupe pas ou leur arrache pas des membres hein, quand même. Je suis surpris, hein, Jack. Hein. We can probably use those stalactites. Ah ouais? Ok. Non, pas comme ça? Let's go. Let's make this entertaining. Si, si, comme ça. Take it from here, Neon. I'll get them off the back. Ah, mais fais-le au plein milieu des gens, c'est mieux. Oh mon dieu. Je suis ralenti. Quelqu'un veut s'occuper de ça ou... Ah, je m'en occupe quoi. Non mais les gens là, il faut être un peu plus énervé hein. Ça tue. Je vais voir. Ah on a un nouveau, c'est Altaïr. Et il fait quoi? Je crois que c'est pas des dégâts de feu. Endo-feu. Ok, c'est bien ce que je pensais, ce que j'ai vu quand je tirais, ça faisait des effets de feu. Donc là on est repassé à la combinaison pâle. Oh, ça veut dire qu'on aura aussi de l'équipement juste pour les classes et tout. Oh, ça va être classe. Ouais. Toi, c'est bête parce que toi, t'as ça. Ah, du coup, tu peux pas. T'as pas de pantalon en fait. Bon, c'est pas. Oh, grave. Pourquoi il nous montre Jed? Casse-toi Jed. C'est marrant parce que Jed il est pas avec nous, du coup il nous montre pas le personnage. Ouais, on va rester Arthur. Ça marche. I've never seen anything like this. These pirates sure chose an odd place for their hideout. I think we can use that. I'll check it out. Ça rappelle les grottes de FF11. Genre, je sais plus quoi, Grotto, là. C'est vieux, ça. Là, ça si quelqu'un connaît la référence, il connaît de quoi je parle. Il y avait le Kraken, là, le NM. Kraken qui permettait de... Je crois que c'est celui-là qui donnait... L'épée qui... La rapière qui tapait deux fois, je crois. Augmente l'affinité, ralentit les mouvements de l'ennemi jusqu'à ce que les balles de choc soient déclenchées. Ah, ok. Permet à toutes vos missions d'infliger temporairement des dégâts supplémentaires et transmettant votre puissance magique à votre arme. Oh là là, ok. Ah, je veux bien tester ça. Alors, comment ça marche? Alors, la grenade, on peut le mettre là, ça c'est bien. Après, il y a ricochet. Balle de charge. En position de tir, balle chargée. Pourquoi on a plusieurs fois en position de tir?
Parce que c'est la même chose en fait. Je vais voir, attends. Donc position de tir. Ricochet. Attends. Balle chargée. Oui, 1, 2, 3, c'est pour ça que... C'est pour... Parce que je me suis dit, oui, comment le jeu sait quelle habilité je veux faire si j'appuie exactement sur la même touche? Ça n'a pas de sens. Donc en fait, ça vient de ça, le 1, 2, 3, ok. Donc on peut mettre balle chargée, ok, ça marche. Du coup, je pourrais mettre l'autre aussi, attendez. Balle chargée... Balle de choc, ok. On va mettre... Alors, ricochet, c'est... Ouais, ricochet c'est pas mal. On peut mettre balle chargée. C'est quoi la différence en choc? Choc c'est interrompt l'action ennemie. Et chargé permet à toutes vos munitions d'afficher temporairement des dégâts supplémentaires. Ok, ça marche. On va mettre balle de choc ici, je vais voir. Alors, ça c'est le ricochet, balle chargée. Ok. Donc là, c'est pour se buffer. Et après, on peut faire balle de choc. À la limite, le... Oui, joli le masque, j'avais pas vu. Ok, on va le mettre en 3. Vu que c'est un buff. Alors, balle chargée. Et balle de choc, ok. Après, on a quoi? On a ça plus RB. Après, une garde parfaite. Ah ouais, ouais, on a vraiment... Ça, c'est pur Nioh, hein, ça. Je veux pas dire. C'est pur Nioh. Hein. Ce système-là. Hein. C'est... Tout ce qui manque dans Wulong, en fait. C'est énorme. C'est abusé quand on y pense. Et tout ce qui manque dans Wulong, le fait de faire des enchaînements et d'avoir des... qu'on peut enchaîner sur d'autres habilités, tout ça en continuant, c'est super bien. Donc ouais, on fait balle chargée, puis après on fait ça. 1 et 2. Ça marche. Ok, cool. Est-ce qu'on a une carte? Non. On n'a pas de carte dans le jeu. C'est pour revenir en arrière. Oh non, ça on dirait... Non, 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 c'est pas pour revenir en arrière, ça. Ok. Donc, bon, on va devoir aller là. On va se faire attaquer. C'est sink or swim. Bad kitty. Down. Down. I always wanted a cat, but not like this. Watch out, something's different. Pourquoi je me fous toujours dans le feu? Ah mais c'est un curl, il fait de l'électrique et tout en plus. Okay, cool. Les curls ils font... Did it swallow this key? Poor thing must have been starving. Pirates didn't care for their kitty. Curl il paralyse aussi. Putain ça dure super longtemps le buff du tir, ça se tue. Terrible. Alors, certains ennemis possèdent un point faible, par exemple, vous pouvez détruire les moustaches d'un curl en les attaquant successivement ainsi, grandement de réduire sa jauge de rupture max. Il est parfois plus facile de les détruire en utilisant des attaques d'un certain type. Les attaques tranchantes sont particulièrement efficaces contre les moustaches du curl. Que ça marche. Honnêtement, aussi, le gameplay me rappelle beaucoup... FF12 un peu. Alors FF12 bien sûr c'est un peu moins bourrin hein, évidemment, on est loin d'un Nioh ou de ça. Hein. Mais
Mais ouais, on n'en est pas loin non plus. T'aimes le feu. Ah! Potion. Ah, ok, c'est potion. Ça marche. J'ai cru que j'étais plein en objets. Ah oui, il faudrait que je regarde pour désassembler aussi. Faut que je le fasse ou pas. Faut voir si je peux. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Ok. C'est des. Ouais, c'est pour les. C'est des dagues en fait. Putain, on dirait des épées géantes. Genre, fais voir comment. Comment on désassemble. Ouais, parce que je suis limité à 600. Bon, c'est bien parce que maintenant on a plein de d'accessoires, ça c'est cool. Parce qu'on n'en avait pas vraiment de... Ok, cool. Mais ouais, comment on désassemble le fichier bonus et... Bah, on a encore de la place, hein, mais... Ouais, peut-être que c'est plus tard. J'imagine que le bleu, là, les carrés, là, je crois que c'est... C'est mon 7. Hein. Ouais, je crois que c'est les 7 que j'ai sauvegardés. Come out! We have plunder! Cool. Les ostriers Aubert. Ouh! That boat doesn't look like it belongs here. Pirates belong anywhere? Good point. Captain Bickett must be on that ship. Ow! J'arrive pas à te... Toi, tu m'embêtes. Eh, quelqu'un veut... Je suis un tireur, moi. Je voulais faire les grenades, mais... Bon, bah d'accord. Tout le monde est en train de mourir. Enfin, les ennemis, quoi. Ah, par contre, je suis en train de me demander, est-ce que je peux pas faire en sorte que les grenades soient instantanées, que j'ai pas besoin de faire un combo? Ça m'étonnerait, hein. Oh, cool. Ça m'étonnerait. Parce que là, c'est que les tirs. Ricochet, balle de choc... Ouais, non, on n'a pas... Non, je peux pas faire en sorte que... Ouais, les bombes, je peux pas les mettre... Je peux les mettre là, j'imagine. Non, même pas. Non, en fait, elles n'ont qu'un emplacement. D'accord, ok, ça marche. Ok. Take it from here, Neon. Go to my side. Nice throw. Ash, show me what you can do. You got it. Feel the pain. Feel the pain. See what's inside, Jack. Je fais bien de spammer les H et néons là. Bah, dès qu'on combat, je les spam, les mecs ils sont boostés et puis voilà quoi. Attends, on peut aller sur le bateau. On va pas aller sur le bateau maintenant parce que. Enfin, j'en sais rien en fait. Wow, wow, wow. Don't think I've ever seen you so scared. I just hate being surprised. Let's get it. Try not to get hit. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il fait? Oh mon dieu, mais il détruit. Oh le truc. C'est énorme. C'est un raccourci, ça? More of those cubes. Let's have a look. Où est-ce qu'on va? Genbu. Oh, il a le... Ronin, bah oui, c'est samouraï quoi en fait. Infliger des dégâts considérables lorsque vous êtes en effet d'assiduité.
spécialité maintenant RB enfoncé pour augmenter la puissance d'attaque. Vous pouvez alors dériver des techniques en appuyant consécutivement sur RB. Les renins peuvent utiliser la technique Aigiri en appuyant sur RT. Ceci inflige des dégâts et ruptures importantes. Oh la vache! On teste. Ronin. This is the one. Ouh, c'est stylé. Ça a l'air un peu lent par contre. Et ça c'est le... Ok. Donc le... Donc en fait faudrait, pour être parfait, faudrait débloquer plein d'habilités de différentes... De différentes classes en fait. Genre par exemple là je peux charger... Oh attendez, attendez, je peux charger plus rapidement, il est... Yes! Voilà, là c'est un exemple de synergie avec les habilités. Ok. Voilà, parce que ça, ça me permet de... Ça renforce ma stabilité, ça, et ça me permet de faire les attaques chargées plus rapidement. Donc du coup, ça c'est vachement bien pour ça. Ok, oh là là, c'est pas... Ça, c'est, j'aime bien quand les jeux tu peux comprendre dès le début assez vite en fait ce qu'ils veulent faire, ce que l'idée de tout ce qui est habilité et tout ça. Ça c'est vraiment cool quand ça se passe bien comme ça. On a de l'affinité, qu'est-ce qu'on a d'autre là par exemple ? On va utiliser les points qu'on a. C'est des attaques. Quand on jouera les classes, on regardera. Alors là, on a eu quoi? Protection du guerrier. Effet de combo permettant de renforcer les combos attribués à un emplacement spécifique. Il ne s'active qu'après une attaque normale. Après RB, qui a touché un ennemi. Les effets de combo diffèrent selon les classes. Épée lourde. Type d'arme. C'est juste pour les épées lourdes, ça. Maintenez. Réduit les dégâts reçus pendant l'utilisation de cette compétence. Okay. Attends, on a plein de points de compétences pour le... Pour le guerrier. Mais en fait, je peux faire ça. Ok. Et là, il me faut... Renin aussi. Ronin, pardon. Et là, il me faut... C'est quoi, là, quoi? Guerrier? Ok. Ça marche. Réduit les dégâts reçus. Là, je suis en train de tout balancer, mais enfin, c'est pas grave, on est d'accord. Bon, ça par contre, par exemple, là, on n'en a pas vraiment besoin parce que... Enfin non, mais de toute façon, ils avaient écrit case débloqué... points nécessaires 0-0, je crois. On peut utiliser les animaux, mais on ne veut pas le faire. Ok, donc les animaux, on peut... Genre si, on, par exemple, on prend un nouveau job, une nouvelle classe, pardon. On peut mettre tous les animaux là-dedans, comme ça, on monte de niveau. Alors, fais voir ça. Jinpu. Jinpu, c'était une attaque dans FF11. Alors, pendant assiduité. Une garde parfaite, ça marche. Illumination, on peut pas l'enlever. Je peux jamais le changer apparemment. Ok. J'aurais bien voulu que au moins on puisse le retirer. Enfin, ouais non, juste le changer de d'emplacement à la limite, mais bon, non, apparemment non. All right.
Time for a change. Ok, on va tester un peu ça. Du coup, on va peut-être aller sur le bateau alors, parce que... Enfin, si on peut y aller. Ah, les monstres vont revenir ou pas? Take it from here, Neon. I'll get them off your back. Ash, show me what you can do. Now, Ash, you've learned a couple things. This is hard. Tap, 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 je fais de la merde. Watch yourself. Joli. C'est bon ? Ça a l'air bien puissant, ça. Bon, ouais, je préfère le tir pour le moment, mais... Cool. Ah, ok, il y a juste un coup. Seriously, we can't get across? No, must be another way. J'aime bien le katana, sympa. All right, time for a change. On va se reposer. Ok, go. This is the one. Voilà. Il y a deux chemins encore. Go, go. Take it from here, Neon. I'll get them off your back. J'adore, ça me rappelle un peu les anciens FF dans un sens. Boring. Barely even worth the trouble. Warm welcome. Let's make this entertaining. Good. This is the one. There you are. Are you ready for anything? You're screwed. We win. Let's brace ourselves for what's ahead. Ah, ok, qu'on marche sur la... Sur la toile d'araignée par terre, ok, on est ralenti. Faudrait que je vois si je peux pas changer... Merde. Des touches, pour que ça soit un peu plus naturel pour moi. The webs are everywhere. Ouais, dégueulasse. Time for a change. Let's go. Tiens. Let's go. Moi j'avais quoi? Ah oui, ça, le 3. Va le charger, ça marche. Si on combat une araignée géante, j'arrête de jouer. Take it from here, Neon. Won't be long before it's spewing monsters. Keep at it, Jack. Ah. That thing's an eyesore. Oh. It ain't gonna kill itself. Bien, bien, bien. Non, non. Il est en train de me bouffer. Ah, c'est ça que je voulais faire. Yeah, bien.
Ah, lâche-moi. Ok, cool. Oh, c'était un peu bordélique, mais ça va. On aurait dû peut-être y aller en mêlée, je vais être franc. Ok. We have rum. On a du rhum. Par contre, les traductions, c'est un peu ce qu'ils veulent. Hein. Parce que là, l'autre, il a dit « We have rum », on a du rhum. Eh, pirate, rhum, lol. Ouf, cliché. Wow. Ooh. And here I thought this world was all doom and gloom. Take a good look, because we're headed right back into the thick of it. Wow, Jack. I see some cubes over there. I need a break. Jack. Ok, cool. On a encore changé. Ah, voilà. Maintenant... Putain, là, la clé... Putain, mais ça tue. Pourquoi tu veux pas prendre... Genre, pourquoi tu prends pas... Ah oui, parce qu'ils vont mettre par niveau, en fait. Bon, d'accord, c'est un automatisme bête et méchant. Parce que là, en fait, c'est les mêmes stats, mais en mieux, parce qu'il y a du chevalier et de l'épéiste. Donc, ouais. De temps en temps, on va regarder ce qu'on peut récupérer. Mais bon, pour le moment, vu qu'on n'a pas de trucs très très spéciaux. Fais voir, nous, un peu... on peut classer par magique type récent. Ouais, récent. Ça, c'est pour le renard. Ouais. Effet classe renard, t'as 50%. Bonus d'attaque, enchante 1. Très bien. Et ça, c'est quoi, guerrier? Ouh, guerrier. Guerrier, c'est ceux avec la hache, c'est ça? Là, on a Ronin. Mage. On peut mettre Ronin. 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 80%. Savoir du Ronin 3. Fais voir du coup. Comment j'avais fait pour... Ah oui, mais... Putain, oui, c'est vrai que... Oui. Ah oui, j'étais en train d'augmenter le mauvais, en fait. Voilà. Quoi, ça? Dégâts reçus, bombo, moins 9%. Dégâts de rupture de tout type, résistance à l'énorme ténèbres. Pas mal ça, les cœurs de bombo, sympa ça. Qu'est-ce qu'on a aussi? Marque de mage. Ah oui, d'accord, eux par contre ils te laissent avec les niveaux 1 quoi. Okay. Alors. Écaille des sa Uagin. Ah, les sa Uagin, c'est les bestioles bleues là dos. J'imagine. Agilité. Bandana de pirate. Dégâts infligés noctules d'acier, je sais pas ce que c'est. Gobelin. On peut mettre celui-là de pirate pour le moment. Donc oui, ce que je voulais voir, c'est ça. Ah voilà, c'est là. Comment on fait? Non. Oui, c'est là. Détail du bonus. Force, PV, force. Dégâts tranchants 5.9. Ouh, 50 PV, force et vigueur. Ouh, pas mal. Pas mal, pas mal. Ok. Est-ce qu'on peut avoir une affinité de tireur? Ça m'étonnerait que j'ai des... Non, j'ai strictement rien en tireur, par contre. Ça, c'est embêtant. Okay. Donc, j'ai vraiment plus de PV avec le Ronin.
Non. Pourquoi j'ai nettement plus de PV avec l'artilleur et pas le ronin? Genbu. Parce que le niveau, j'imagine. Et je suis en train de me demander, genre les bonus. Plus 75. Genre ils fonctionnent même sur n'importe quelle classe en fait. J'apprends. Il y a tellement de choses à regarder, c'est super fun. Alors, fais voir un peu. Réduit épée. Oh, ça c'est bien ça. L'affinité au Ronin. Le surineur. Ok, on avance un peu. Ah, on peut y aller là. Je savais pas qu'on pouvait y aller. Alors, c'est quoi ça? Cinquième cristal noir. Autrefois vivait dans ce monde une jeune femme qui maniait une excellente épée et la magie. Elle était plus pure que quiconque et avait une forte volonté de faire régner la paix. Peut-être qu'à une époque, ayant un lieu différent, elle aurait été populaire. Cependant, elle a remarqué que des distorsions se manifestaient à travers le monde et a désiré plonger dans les ténèbres afin de guider l'humanité. Je lui ai donné un cristal noir et fourni les connaissances nécessaires à la réalisation de son souhait, utilisant sa force et sa volonté à mes fins. Oula, archives spéciales. Peut-être certains documents touchant les sphères lors d'une mission journal d'un sceau et un assortiment de notes et commentaires adressés à quelqu'un par un auteur inconnu. Rapport de Lufenia dévoile les détails d'un certain projet. Il parle d'un... Ok. Je parle d'un cinquième guerrier. Oui, Nioh, on tombe dans l'eau, on meurt, j'avais oublié ça. Vous allez monter vous aussi ou pas? Yeah. Je suis en train de me dire que peut-être qu'eux ils ont de l'équipement pour... tireur, faudrait que je les regarde en fait. Faudrait que je passe un petit moment à regarder l'inventaire de tout le monde. Enfin, l'équipement de tout le monde exactement, mais bon. Ah, peut-être les accessoires à la limite. Lunette 5. Je prends. Time for a change. C'est quoi ça, des petits bémotes? Des bébés bémotes? All right. This is the one. Hey. Take it from here, Neon. You got it. Non, c'est juste des loups en fait. Y'a un pompa. Non merde, pas devant. J'ai un con derrière moi. C'est bon, on l'a eu. Oh mon dieu. On va faire un peu de katana. Oh
Time for a change. All right. Take it from here, Neon. Faut de la magie. C'était pas mal là, j'ai bien aimé. Le fait qu'on puisse changer de... On peut tomber là, on peut mourir ou pas? Ok, non. J'ai poussé juste pour être sûr. Mais le fait qu'on puisse changer de classe comme ça, là, c'est pas mal. Switcher entre les deux là, c'est top. J'aime beaucoup. Pour le moment, mes deux favorites, c'est... Katana tir, je pense que si on peut avoir guerrier, que c'est genre celui à la hache, je pense que ça aussi ça va être peut-être le celle que je préfère. Take it from here, Nia. More monsters. Is that all you got? Let's nip this thing in the bud, Jack. Wow, casse-toi toi. Il est où le truc? Charger. Ash, show me what you can do. Now watch and learn a couple things. This will be surrounded in no. Yeah. Take it from here, Neon. I'll get them off the back. Bien. Now let's move. Je vais être franc, je suis limite à me dire si je vais pas augmenter la luminosité en éditant les vidéos. C'est bizarre que ça soit aussi sombre. Ça me dérange, ou alors c'est moi qui deviens fou et que je vois plus rien et je... Ma cataracte est morte, mais... Comme ça c'est mieux. Tombe pas. Ok, cool. Ouhou. Alors. That's some boat. You've got some stones coming here. For what it's worth, you four don't look like easy pickings. You're Bikke? Aye, to some. Captain, to you lot. We're looking for the crystals. We were supposed to find the mayor, but I guess he's dead. Looks like you have the run of the town now. Aye, that's the world we live in, where people have to turn to pirates for guidance. Pure chaos, if you ask me. Chaos, savvy? Just tell us where the crystals are. It's poor form not to laugh at a pirate's jokes, lad. C'est un guerrier. You got stones, all right. C'est un guerrier. Un warrior. This weapon was forged by the Dark Elves. Time for a change. Oh mon dieu, t'es sérieux là? Je crois que j'ai fait deux fois le... mon truc. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il me fait? Let's toss him overboard. Non, j'ai pas de...
Toi, t'es ma réserve de MP, toi. Merci. Chargé. Okay, très bien. Ah merde, j'ai plus d'MP. Oh. Bouge. Ouh, on t'a fait mal. Enfin, je t'ai fait mal. No one bruises my crew but me. Time to teach you the rules of the sea. Tiens, 1700. A captain should go down with the ship. My ears are catching up to me. Oh, j'ai trouvé un nouveau truc avec le katana quand on maintient la première attaque. Yeah. Ça. Ah, oh, OK. That's enough. There ain't no ships left to plunder or booty left to steal. We're getting soft, but that fight got my juices flowing. Cheers. You want to know about crystals? Astos is your man. This boat will take you right to his doorstep. Astos? Friend of yours? No. Never heard of him. Calls himself King of the Dark Elves. Not elves, mind you. Dark elves. What's the difference? Well, it depends on who you ask. Some say he drank the lifeblood of 50 score of his kin. Some say he made a deal with chaos. Stories and legends abound. What kind of deal? You want the truth of it? Ask him yourself. This journey might not be a waste after all. Yay, on a des informations. Faut que je regarde comment ça marche le katana. On va peut-être faire l'entraînement. Alors, on a eu des points. Ben là, c'est bien passé, on n'est pas mort, rien. Hein. Mission principale, l'elfe noir. Tutoriel katana. Hache, ouais, on a eu la hache. Ok, vous pouvez régler les paramètres du désassemblage automatique à partir de l'écran. Vous verrez les pièces d'équipement pouvant être désassemblées automatiquement selon les conditions choisies. Ok. Fais voir, attends. Moi je veux ça. Ah, c'est parce que... Ah oui, d'accord, ça c'est le nombre de... Ah, la mission... Moi, nous, on a refait la mission principale. Bon, c'est pas grave, ça m'a fait de l'entraînement. Mais mission secondaire, elle est là. Ok, j'ai compris maintenant. Donc, bleu, c'est principal. Et le jaune, là, c'est orange, là, c'est secondaire. Ça marche. Par contre, je veux bien... Donc... Genre, juste m'entraîner vite fait au katana, là. Pour voir un peu comment on charge là ce que ça fait. Alors. Peut-être faudrait faire ça avec toutes les armes exactement. Alors ok, ça on sait. Donc on a 3 combos. Tac. Donc après on a. Attends. Comment RB. What? Comment? Ok, putain, c'est compliqué de le faire. Et après on a... Ok, oh là là.
Alors, RB enfoncé pendant... Ah, assiduité, voilà. Wow. Attends, pendant l'assiduité et avec une attaque ennemie. Ok. Ah, c'est quoi? C'est un contre en fait? Oh là. Ouais, d'accord. Oh la vache. Alors jamais je le placerai en combat ça. Ouais, non, jamais je le passerai. Alors, RT pendant la fluidité. Oh mon dieu, ça tue. Non, mais ouais, mais si tu me fais ça, le mec... Oh mon dieu, c'est quoi ces combos? What? Ok, et après RT. Mais je peux pas le faire trois fois, j'ai pas de... J'ai pas assez. Ok. Si, il m'en remet assez. Waouh, c'est chaud quand même. Je vais voir un peu si j'arrive à le contrer. Ouais, là, ça l'a fait. Il me redonne pas mes trucs, ok, ça marche. Il me redonne pas mes points, mes MP. Waouh, et ben le katana, il y a beaucoup plus que ce que j'avais vu, hein. Ah ouais, mais il faut faire les tutos, hein. Ok, alors fais voir la hache. Je crois que le katana, c'est vachement puissant, mais c'est compliqué. À la limite, ce qu'on peut... L'attaque EI, je sais plus, là, de dégainer, là. Celle-là, elle a l'air super puissante. À la limite, on peut pas placer ça assez souvent, parce qu'on a l'habilité qui nous permet de charger plus rapidement. Donc, en théorie, on peut faire ça. Non, fais voir un peu guerrier. Si ça va me plaire ou pas. Alors. Ah, lui aussi, il a des... Ok. Les armes contendantes plutôt lentes, mais redoutables. Vous pouvez augmenter la puissance. Toutes vos attaques ont maintenant RP ou RP. Ok. Maraudeurs peuvent utiliser la technique révolte. En appuyant sur RT, en plus d'asséner un coup puissant, elle affaiblit l'ennemi. Ok, pas mal. Oh, joli ça, joli, fais voir. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal les combos. Charge max. C'est joli. Ok. Ok, tu peux en enchaîner plusieurs. Ok. Après, on a... On va faire ça. RB.
Ok. Et l'autre, c'est quoi? C'est RB enfoncé tout le temps? En charge max? Ok. Après, on a quoi? Oh oui! Il a moins d'attaque, moins de magie, j'imagine. Je crois que c'est ça. C'est sympa, ça! Ok. RT enfoncé. Oh, là, on est au niveau 4, apparemment. Ok. Après, RB... Oh là là. Ah, c'est joli ça. Ah ouais, mais t'es grave exposé en fait. Oh mon dieu. Bon, par contre, c'est sûr que ça a l'air puissant. Puissant, mais... On va quitter ça. Je pense que ça va être très dangereux de jouer guerrier au début. Car on est très très... à la merci des ennemis. Mais vachement bien, vachement bien. On va s'arrêter là. Je crois que la prochaine fois on va continuer avec... on va faire peut-être du secondaire. Ouais, on va faire du secondaire. Là, on a quoi? Le fort. Bah, attendez, on peut faire ça. Le repère des pirates, maintenant, on a du secondaire aussi. On fera le temple du chaos secondaire et repère de pirates secondaire. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Ce qui est marrant, c'est qu'ils prennent le même système que Nioh, où t'as les niveaux principaux à faire. Et puis après... t'as les mêmes niveaux, mais ils vont sûrement être pris différemment, genre à l'envers, ou alors des parties bloquées et tout ça. Et ce sera des niveaux secondaires, en fait. Enfin, des missions secondaires. C'est vraiment cool. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.